Eh bien salut tout le monde, c'est Revonico, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWE 2K16 pour un nouveau match des abonnés et aujourd'hui on se retrouve dans un triple menace pour le titre de la WWE World Heavyweight Champion dans un TLC match. Waouh, quel match de dingue parce que les membres de Shield s'affrontent ce soir. Allez, c'est parti! Representing the Shield, from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth Rollins! Well, this superstar has all the tools needed to win this one. Now let's see if he can put them together. Calling this one. And their opponent, representing the Shield, from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds, Roman Reigns! King, this man, Roman Reigns, has become a walking highlight reel. That's because his offense is just so dynamic and dumb. Allez, on est parti, je contrôle Dean Ambrose comme force surprise. Stop, start, attention, comme d'habitude, on n'oublie pas. Indicateur de ciblage, joueur, c'est parti, let's go. Allez hop, on s'attaque à Roman Reigns, je ne sais pas pourquoi j'ai attaqué, j'ai fait au hasard. Allez hop, qu'est-ce que tu as à faire, Dean Ambrose? Seth Rollins, pardon. Bon, aujourd'hui c'est un match assez spécial, j'ai déjà fait ce match auquel The Shield s'affronte. Essayez quand vous proposez des matchs, donc vous pouvez continuer à en proposer des matchs. Essayez quand vous proposez des matchs que c'est des matchs que j'ai jamais fait en fait. Parce que sinon après c'est la galère quoi, si je recommence les mêmes matchs ça ne coûte plus à rien. Bon après je peux changer de superstar, hein, c'est pas un problème. Mais quand j'ai vu le match je me suis dit, oh putain j'ai pas envie de le faire tu vois. Allez hop, chacun son tour, Seth Rollins. Oh putain. Non, on va essayer de gagner. Alors c'est pas sûr hein, parce que à 3 mon gars, c'est pire qu'une partouze là. On va sortir du ring. Donc bien sûr on remercie, bien sûr quelqu'un nous l'a proposé, on l'a pas fait ça au hasard hein. On remercie Duncan Nazon, je sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, merci à toi, Reigns vs Ambrose vs Rollins Chelsea pour le titre. Oula, attention, Dean Ambrose avec une échelle. Oh, Roman Reigns se casse. Eh ben, c'est pas grave, on a quelqu'un d'autre en tous les cas. Allez, cette Reigns, c'est dans la merde. Attends, Roman Reigns, on va l'attendre. Tiens, dans ton cul, Roman Reigns. Allez, ah bah merde. Voilà, ça continue. Mais contre pas. Dans tous les cas, je vais te recontrer. On contre pas. Ouh, oh putain, regardez la table, elle est carrément partie de l'arène, du ring, pardon. Putain, ça si c'est pas arrangé dans 2K17, parce que les tables, ça fait plusieurs... Oh le bâtard, ça fait plusieurs jeux, plusieurs années de jeux, que la table c'est toujours la même chose et c'est vraiment chiant. Il y a aucun réalisme avec la table. La table, putain. Deux fois je fais la même erreur. Mais what? Je mets des coups. Et lui il me porte un DDT tranquille. Putain, je vais le dégommer. Ah d'accord, je peux plus contrer. Ok. J'ai remarqué à la fin. Qu'est-ce que je te dis? Oula, attention. C'est trop Lynch. C'est un taré. What? D'accord, pas compris. C'est pas grave. Bon, maintenant vous me laissez tranquille. Hein. Moi j'ai fait à moitié le boulot. Je prends une chaise au cas où. Maintenant, on les laisse se démarrer. J'aime bien, et dans les arènes pay-per-view, il y a deux tables de commentateurs. Par contre, c'est vide la deuxième. Ça, c'est un peu con. Allez, on rentre. Tiens, dans ton abdomen, mon gars. Seth Rollins, tu prends aussi. Roman Reigns, tu reprends une deuxième fois. Ah ouais, d'accord, ça fait strike. Alors, attendez. On balance. Ah bah d'accord. Ok. Tiens, mon gars. Mais non, mais... Oui, il s'est projeté sur lui. Ça, j'aime.
J'aime bien cette prise, sauf qu'elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas influençable. Voilà, c'était tout. En fait, dans chaque jeu vidéo, de tout cas, on va dire, le même problème reste le même, c'est le public. Il n'y a pas assez de... Attendez, je vais essayer de... J'en ai marre de faire les mêmes prises. Ah non, attendez, je vais faire quelque chose de plus taré. Ouais. Ah merde, d'accord. Je croyais qu'il allait sortir du ring, mais en fait, pas du tout. Alors attendez. Non mais Roman, dégage. J'ai essayé de faire un moment... un oh my god moment. Voilà. On monte par là. On fait ça. Oh oui, il est bien passé. Ah, j'aime bien quand je saute de l'échelle, mon gars, c'est tellement stylé. Non, non, il va capturer le truc. Vas-y, capture. Allez, tu t'es cru où? Ah merde. Ah ouais, d'accord, il projette dans les, dans le, l'échelle. Allez, ça contre. Ah oui. D'accord. Ça, c'était un peu le malaise. Attendez, cherche de faire un bon truc. C'est Rollins? Ta gueule, voilà. Non, mais par contre, toi, t'as rien à voir. Attendez, je me casse. Et voilà, qu'est-ce que tu vas faire, Roman? Alors, attendez, parce qu'on utilise que des échelles et des chaises. J'aurais bien cassé une table. N'importe quoi, hein, mais on va quand même la mettre pour voir. Et une table des commentateurs, c'est pas possible ça? Non mais oh! Non mais attends, je la mets exprès dans le ring et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la table dehors. Mais je vais le dégommer sa race. Tiens, qu'est-ce que tu crois que tu vas la prendre là, la machine? Mais what? Non! Non! Mais putain! Mais oh putain, bah c'est perdu. Ça se voit d'ici. Ah non mais pas! Oh, cet abruti! Attends! 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 Oui! Ah, j'ai mon cœur là! Il était en train de battre à 200 à l'heure, mon gars! J'ai cru que j'allais mourir! Enfin, perdre, pardon! Je veux pas mourir pour ça! Mais putain! Mais... C'est pas lui que je voulais! Tiens, dégage, connard! Attendez, moi je veux quand même faire un autre oh my god moment! Donc, on va enlever la table des commentateurs. En espérant que ces abrutis. Voilà, bah, ils me suivent dans tous les cas, donc ça c'est pas mal. Allez, qui veut partir au four? Ah, c'est Roman Reigns. Dommage, Roman Reigns, c'est dans la merde. What? J'ai appuyé sur B! Non! C'est Rollins! Non! Non! Mais on peut pas rester tranquille, hein. Tiens, dégage! Attends, on peut pas. Ah non, ça va être trop. Non, mais sois pas con, putain, mais qu'est-ce qu'il... Oh, putain, mais... Oh, on a parmi nous des petits cons. Bon, la tête de commentateur, je crois qu'on peut y oublier, hein. Attendez, je vais essayer de mettre la table en fred, là. Voilà. 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 Oh, putain. Vite. Tiens, connard. Alors, maintenant, tu vas passer... hors du ring, voilà, merci. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Ok, attends, je me casse. Voilà. Mais non! Mais vous voyez, c'est quoi ce jeu? Bon, non, mais on pousse une échelle. La table, bah, elle tombe. Bah là, c'est mort, hein. Bah voilà. Mec, tu pousses une échelle de 2 cm. La table, et bah. Bah. Oh, faudrait qu'on m'explique, hein. Parce que là, ça devient grave. Ah, faudra prendre des somnifères, moi, je te dis, hein. Mais bon, c'était quand même un bon match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à chaler un like pour plus de vidéos sur 2K16. Et bien sûr, on félicite Seth Rollins pour le WWE World Heavyweight Champion. Malheureusement, je n'ai pas réussi à gagner avec Dean Ambrose. Peut-être qu'un jour, peut-être sur 2K17, j'y arriverai peut-être. Allez, je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao.